Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Lopez annonce qu'elle est enceinte depuis plus de 3 mois. Je vous laisse avec sa story. Enfin libérée. Donc voilà, je peux vous montrer. Je vais tout vous dire là, je reçois une tonne de messages, de questions. En tout cas, je voulais déjà commencer par vous remercier tous les messages, remercier aussi les gens qui ont aussi un petit peu gardé un petit peu leur bouche, on va dire, et également pour les gens qui m'ont dit tout le long, on est au courant, on s'est été enceinte et tout. Désolée si je vous l'ai pas dit. De toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube qui ressortira ce week-end. Je vous redonnerai ma chaîne YouTube pour toutes les explications du début de grossesse, pourquoi je l'ai caché, tout ça. Donc ça y est, là j'entame mon deuxième trimestre. Donc enfin, c'est pour ça que je vous dis que c'est une délivrance, parce que pour le coup, ben je mettais des habits assez amples. Ouais, c'est assez galère parce que je voulais cacher, parce que vous savez que vaut mieux pas le dire avant les 3 mois. Et donc pour le coup, j'ai tenu. Et même si on a plein qui m'avaient grillé, j'ai quand même tenu bon et dire non, je le dirai pas maintenant. Voilà, de toute façon, on va pouvoir maintenant discuter de tout. Ça, c'est aussi cool. Même comme vous savez, pour le coup, c'est ma première grossesse, donc il y a plein de questions que je me pose, il y a plein de trucs que je sais pas, il y a plein d'effets. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir en parler, parce qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui me suivent depuis très longtemps. Je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont enceintes qui me suivent également. Donc, on va pouvoir échanger et se donner grave des conseils, des tips et tout. Et c'est vachement cool. Donc, franchement, je suis trop contente. Et pour ceux qui me disent oui, je veux savoir quand j'ai la su, les vidéos et tout, vous inquiétez pas, tous les moments je les ai capturés, et bien évidemment tous les jours je vous montrerai un petit bout de ces 3 mois que j'ai dû cacher.